Bien démarrer avec le Circuit Moon Station. Unboxing. À l'intérieur du conditionnement, vous trouverez bien sûr un Circuit Monostation, un guide de prise en main, 3 cordons MIDI, un cordon USB et une alimentation. L'enregistrement de votre produit. À l'arrière du fascicule, vous trouverez un bundle code et un numéro de série. Ce dernier se trouve également visible sur la boîte. Rendez-vous sur www.novationmusic.com/register/product et cliquez sur « Register your product ». Sélectionnez le Circuit Monostation comme ceci et saisissez votre numéro de série. À présent, saisissez votre adresse email. Si vous possédez déjà un compte Novation, votre login sera demandé. Si vous n'en avez pas encore, créez-en un maintenant. Maintenant, renseignez le bundle code et le reste des informations dans la page, comme ceci. Le Circuit Monostation apparaît désormais dans votre espace personnalisé. Si vous cliquez dans l'onglet Downloads and Activation Code, vous trouverez les guides et les bundles logiciels comme Ableton Live Lite. Vous pouvez effectuer le téléchargement ici et le code apparaît également à cet endroit. Connexion. À l'arrière de l'appareil, vous trouverez l'USB et l'alimentation. Il y a également les prises MIDI In, Out et Through, mais aussi les prises pour la clock et le Not Out. Sur la partie analogique, une sortie ligne mono et une entrée audio. Pour effectuer un enregistrement de votre Circuit Monostation dans votre station audio numérique, vous devez connecter la sortie ligne de l'appareil à l'entrée ligne de votre interface. Lancez le logiciel de votre choix. Dans une piste audio, activez la fonction Record Enable. Sélectionnez l'entrée appropriée, dans ce cas l'entrée 1, et montez le master du Circuit Monostation. Vous pouvez également lire et enregistrer des signaux MIDI de votre station audio numérique. Dans Ableton, allez dans Live, Préférences, MIDI, et activez le port MIDI du Circuit Monostation, comme ceci. Vous êtes maintenant prêt à utiliser le Circuit Monostation.